Bonjour et bienvenue sur Fit Club. Je suis ravi de t'accueillir pour ton nouveau cours. Aujourd'hui, on va faire un hit spécial brûle graisse. Donc, tu vas pouvoir me suivre pendant toute la séance en temps réel et je vais te montrer toutes les variantes de chaque exercice. Donc, ça veut dire que quel que soit ton niveau, tu vas pouvoir me suivre. Très facilement, ok. Donc reste bien hein, évidemment sur les variantes qui te correspondent le mieux afin de bien t'entraîner, de pas te faire mal et euh, du coup que ce soit le plus efficace possible. On va faire seulement 15 minutes, donc tu vas voir c'est très rapide, mais en même temps et eh ben tu vas normalement bien sentir euh, que ton corps travaille et euh, bah, que tu t'es bien dépensé. Donc l'idée, c'est de te montrer ces exercices-là. Bien sûr, si tu veux aller plus loin sur Fit Club, on propose un accompagnement personnalisé, hein, le fameux programme Superwoman. Donc si tu veux en savoir plus et bah, si tu veux savoir... Euh, comment tu peux obtenir de vrais résultats avec une équipe de coachs professionnels qui vont t'aider jour après jour, semaine après semaine, à aller chercher tes objectifs. Et ben, il te suffit de prendre rendez-vous, tu peux cliquer sur le lien qui est autour de la vidéo, soit au-dessus, soit en dessous. Tu as un lien qui va te mener sur mon agenda et euh, tu vas pouvoir choisir le créneau qui te correspond le mieux et ensuite on va t'appeler on va faire connaissance avec toi, on va clarifier tes objectifs, on va te dire en combien de temps tu peux les atteindre et on va te donner un plan d'action concret pour que tu puisses mettre en place ça dès aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. OK Allez, c'est parti, hit brûle graisse, on y va. Maintenant, premier exercice, avant de commencer, hein, pense à prendre une bouteille d'eau, OK Et puis munis-toi de ton tapis parce que on finira la séance au sol. En tout cas, le dernier exercice se fera au sol. Premier exercice, on est parti. On va venir trottiner ici. Okay tranquille. Donc, si tu ne peux pas faire de saut, hein, tu décolles juste les talons du sol, comme ça. D'accord? C'est comme si tu faisais une petite course, mais sur place, okay et les autres, vous pouvez faire des, petits des petites montées de genoux, comme ça, tranquille. Et en même temps, on respire et on tient. Ses abdos. On essaie de se tenir droit. On n'a pas le dos tout courbé comme ça. Hein. On se tient bien droit et on y va. Boum, 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 boum. Et on respire. On sourit. On est sur Fit Club. Ça fait plaisir. Allez. Tac, 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 tac. Donc, on est parti pour ce hit. D'accord Les personnes qui veulent augmenter un peu les montées, vous pouvez y aller. On est encore en mode échauffement. Donc, tranquille quand même. Hein, on ne va pas faire trop fort. Et puis, une fois. Quand on est bon on y va en mode squat donc on ouvre les jambes d'accord largeur des épaules on tire les pointes de pied vers les extérieurs et puis les fesses vers l'arrière toujours avec ce dos droit et nos abdos en tout cas le ventre tenu et on va descendre ici tu vois mes genoux ils partent pas vers l'avant ce sont mes fesses qui partent vers l'arrière et je descends à la verticale. Okay. Allez, on est parti 1 et on remonte. Tu vois, je descends pas forcément très bas, mais par contre ma position elle est bonne, ce qui veut dire que je travaille bien mes cuisses et je sens aussi mes fesses. Allez, 3 encore. Inspire à la descente, tu souffles à la montée. 4. Allez, c'est pas fini, 5. 6. 7, encore encore encore. 8 9. Et le petit dernier, 10. Super. Troisième exercice, on va venir. Alors, je vais me mettre de profil, comme ça tu vas pouvoir voir. Ici, en mini squat, donc la même position qu'on vient de faire juste avant. Sauf que là, on remonte pas, on reste dans la position. Et 1, 2, 3, 4 pas vers l'avant. Et ensuite, 1, 2, 3. Quatre pas vers l'arrière. Bien sûr, on va pouvoir accélérer. Boum, 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 boum. Et boum, 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 boum. Et celles qui veulent, on peut descendre aussi déjà un peu plus bas. Tac, 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 tac. Donc là, ça va bien faire travailler les fessiers et de nouveau les cuisses. Quand on part vers l'arrière, on reste bien aussi en bas, et puis vers l'avant et vers l'arrière encore. Okay si c'est trop dur, remonte d'un cran et puis tu continues avant quatre pas et arrière quatre pas aussi 1 2 3 4 et enchaîne 1 2 3 4 faut que tu sentes que ça chauffe un petit peu hein? d'accord de toute façon on va refaire un tour là c'est le tour d'échauffement ok donc tranquille n'y va pas à fond tout de suite au risque de te faire mal vas-y progressivement ok maintenant qu'on est bon que ça a bien chauffé on enchaîne avec le prochain exercice, donc on va faire un kick, d'accord Donc on fait un kick de jambe avec la jambe ici où on monte le genou, et ensuite on part vers l'arrière. La jambe ici arrière va fléchir et on fait une fente. Boom, ok Kick et fente. On va en faire cinq comme ça. Un et deux, souffle bien quand tu montes le genou et puis aussi quand tu remontes de la, de la fente. Donc, ici, tu montes le genou, tu souffles, tu inspires quand tu repars vers l'arrière et tu souffles quand tu remontes. OK Donc, ça fait deux expirations dans l'exercice. Allez, encore un dernier. Ici, tac, tac et. Tu repars. Bien sûr, il faut faire l'autre jambe, d'accord Maintenant, si tu manques d'équilibre, hein, si tu as besoin d'un support, tu peux te tenir au mur ou à une poutre comme j'ai ici. Et puis tu fais la même chose en te tenant. Tu vas voir que sans la problématique de manque d'équilibre, c'est quand même beaucoup plus facile de faire l'exercice. Je fais mon kick genou, je pose la jambe derrière, je plie bien, je descends à la verticale avec la jambe arrière et je remonte. Ok Ici. Tac, tac et tac. OK Encore. Allez, un petit dernier. Un, deux, trois et quatre. Voilà, super. Je te disais que tu avais besoin d'un tapis. Vas-y maintenant pour le dernier exercice de la série. Et on va venir se positionner sur le dos. D'accord On est ici. On va venir mettre nos mains sous les fesses pour rehausser notre bassin. D'accord on va venir décoller la tête et les épaules. Okay si c'est trop dur au bout d'un moment, pause, arrête un petit peu et tu reprendras par la suite. Mais l'idée, c'est de venir dans cette position et puis après, tu vas venir décoller les pieds du sol et puis tu vas faire des grands battements sans forcément aller jusqu'au sol. Tu vois, tu n'es pas obligé de descendre jusqu'en bas au risque de creuser le dos et de te faire mal. Mais tu peux rester en haut, ici, et faire des battements. Si c'est trop dur, tu en fais quelques-uns. 1, 2, 3, 4. Tu reposes. Tu poses la tête aussi. Tu respires. Et ensuite, tu repars, tout simplement. Si tu ne peux pas le faire, hein, tu fais en fonction de ton niveau, de ton rythme à toi. Surtout si tu es en reprise, ne force pas trop. OK Allez, 1, 2, 3, 4. Et tu reposes. Et encore un petit dernier. 1, 2... 3, 4 et tu reposes. Bien sûr, si tu peux ne pas reposer, ne te gêne pas, hein, fais-le, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, si tu as besoin, si tu en ressens le besoin, eh ben, tu poses, il n'y a pas de souci. Tu progresseras au fur et à mesure. Okay Maintenant, on est sur un hit. Donc là, on a fait le premier tour. On va passer au deuxième. d'accord? Deuxième tour où on va... Augmenter un petit peu la cadence. Tu connais les exercices, je te les ai expliqués, donc tu vas pouvoir me suivre plus facilement. Par contre, si ça devient trop dur, reste bien sur les versions précédentes de chaque exercice pour ne pas trop t'impacter et surtout ne pas te blesser, pas te faire mal. Okay Allez, on est parti. Boum, boum, boum. Allez, on trottine, on revient ici. Tac, 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 tac. Si tu ne peux pas faire les sauts, si ça a trop d'impact, tu, tu lèves juste les talons, tu les décolles du sol. Hein, mais tu peux mettre de la vitesse. Hein. Tu restes sur place ici. Et là, tu vas voir, hein, selon ton niveau et puis ta condition physique du moment, ça peut faire monter le cardio. Hein. Tac, 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 tac. Allez, encore. Et puis tu peux monter. Hein. Tu peux monter les jambes. Monte les jambes. Monte, monte, monte. Puis tu peux aller plus vite aussi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu vas mettre du rythme. Hein. Encore. Allez, encore 10 secondes. Allez, encore. Accélère. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est bien, c'est bien. Sans les sauts, hein, on peut faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, accélère. Encore le dernier. 1, 2, 3, 4. Et tu relâches. OK, squat. On est parti en position. N'oublie hein. pas les jambes, la largeur d'épaule, pointe de pied hein, légèrement vers l'extérieur pour protéger les genoux. Et puis les fesses vers l'arrière, dos droit. Je serre montre Ok Allez, en place. Et là, tu peux commencer à descendre. Un et deux. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Ok. Pars pas vers l'avant. Hein. Quand tu fais ton squat, ce n'est pas ça, c'est ça. Ok D'accord C'est vraiment les jambes qui fléchissent et les fesses qui descendent. Allez, encore. Souffle bien hein, quand tu remontes. Encore. Allez, on y va. On ne lâche rien. Encore 3, 2, 1. Et tu bloques. 10, 9, 8. Allez, pousse les genoux vers les extérieurs. 7, 6, 5. Allez, tu tiens, tu tiens. 4, 3, avec moi, avec moi, lâche pas. 2, 1. Et tu reviens. Super. Ça, ça nous prépare pour le prochain. OK. Ici, on mini squat et puis on avance. 1, 2, 3. 3, 4 pas et on recule. 1, 2, 3, 4 pas. Maintenant, si tu peux faire plus bas et plus rapide, boum 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 et boum boum boum. Ok? C'est toi qui vois, c'est toi qui choisis. Avant, arrière. Okay c'est aussi simple que ça. 1, 2, 3, 4. C'est toi qui choisis le rythme et le niveau. Tu vois, si tu veux remonter d'un cran et aller moins vite. 1, 2, 3, 4, c'est toi qui choisis. 1. 2, 3, 4, ok Si tu veux, par contre, ici, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, tu peux, ok Tu peux le faire ça, ok Si tu veux, ok Si tu as la capacité. Allez encore, 10 secondes. Respire bien, tiens ton ventre, tiens-toi droite aussi, hein, le dos, il doit rester droit, on ne le courbe pas. Allez, reste bien, focus. Tu regardes le sol loin devant et tu lâches pas. Tu respires encore, encore, encore encore. Allez, 3 2 1 et stop. OK. Les kicks de jambes. Donc là, on peut se tenir ou pas hein. ça dépend si tu as l'équilibre et on est parti. Une jambe devant, une jambe derrière, kick genou et je fais ma fente, OK Kick genou et je fais ma fente. Et je souffle. J'inspire, je souffle, j'inspire et je souffle, ok Allez, Ouh. Ouh. encore, allez, respire bien. Si c'est trop dur, hein, viens contre le mur, viens contre un support, ça peut être une chaise aussi hein, que tu tiens légèrement devant toi sur le côté, et puis comme ça tu gardes bien l'équilibre. Allez, encore un, un petit dernier. Et stop. OK. La même chose de l'autre côté. 3, 2, 1. Une jambe derrière, une jambe devant. Et kick genou, fente. Allez, encore. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, encore. Ouh. Ouh. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Encore quelques-uns. On a bientôt fini notre séance. OK. Il nous reste une minute. Une minute d'effort. Allez, lâche rien. Encore. Respire. Respire bien. Et le dernier. Le dernier ensemble. Et on relâche. OK. Super. Allez, dernier exercice. Les battements de jambes pour les abdos. Les mains sous les fesses. Et on est ici. Et un, deux, trois. Quatre, si tu as besoin, tu poses et sinon tu continues avec moi les battements sans descendre trop bas et bien sûr en respirant. Tu respires 1-2-3-4 encore 1-2-3-4 encore 1-2-3-4 encore 1-2-3-4 allez, lâche rien, lâche rien. Il nous reste quelques secondes à tenir et après ce sera. Terminé, plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et tu poses et tu relâches. Voilà, ça y est, on l'a fait, notre hit brûle, graisse. Je te félicite en tout cas d'avoir tenu jusqu'au bout. Hein. C'est que une quinzaine de minutes, tu vois, même un peu moins. Et ça nous permet justement de bien nous entraîner, de nous dépenser, de vider la tête aussi, toutes les tensions, tout le stress. Ça permet justement de se concentrer sur soi et se faire du bien. En même temps, ben, on se tonifie, on se renforce et puis on brûle des calories. Donc on enclenche notre perte de poids, en tout cas si c'est ça ton objectif. Ben, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi cette petite séance. J'espère que ces formats courts te plaisent. N'hésite pas à dire dans les commentaires, à faire tes remarques, à poser tes questions, à dire ce que tu en as pensé. C'est très important pour nous, ça nous intéresse beaucoup. Et puis, ben, si, encore une fois, tu veux aller plus loin, si tu as un tu ressens le besoin de te faire accompagner, d'être soutenu, d'être coaché et d'être boosté, motivé au quotidien, eh n'hésite ben, pas à nous rejoindre. Il te suffit pour ça de prendre rendez-vous avec nous. Tu cliques sur le lien qui est au-dessus, en dessous de la vidéo. Hein, ça dépend vraiment de là où tu regardes. Et puis, bah, tu vas tomber sur mon agenda. Tu choisis le créneau qui te convient le mieux. Et moi, je t'appelle qu'on fasse connaissance et puis qu'on aille chercher les résultats que tu veux. Je te remercie encore une fois de m'avoir suivi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur FitClub.